وي الاخوان، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كتبريباريو مزيان، كنتو ديجا في البريباراسيون. معكم الاستاذ ديالكم عثمان اقبال، سو لا دوموند ديال شحال من واحد من لي ستوديون ديالي. قررت ندير هاد لا فيديو هادي، واخا سي جون فيديو اللي هي تخي رابيد، ماشي بحال لو كوفر اللي كنديرو او نيفو كور دي جور، فبالتالي كيكون ان بو بلو ديتايي. مي vu qu'on a la contrainte du temps, inchallah, j'ai décidé de faire la petite vidéo et de faire le concept général du marketing international. D'accord, on s'apprend au niveau des exemples de femmes, on s'apprend au niveau des fins de formation. La partie loula de la vidéo, on va faire un cours, ça veut dire une vidéo dédiée justement au cours, on va faire justement un récap. Et qu'on fait juste un récap d'Elna au niveau du cours, les radins à fouche, les chamans, les gens. Et après, on verra une autre vidéo, Inch'Allah, les radins qui nous fera le passage, le fin de formation d'IL 2017, Inch'Allah, on chauffe les études de Deka. L'essentiel pour nous derrière la vidéo, et bien, vu qu'on a l'année faite sur la première année, c'est toujours une base générale au niveau du marketing. En général, ça veut dire le concept base, la distribution, le produit, le prix, la distribution. Là, on va garder les mêmes concepts. Ça veut dire reconnaître, non? Neuf le concept. Je vais faire du marketing aérien ou je vais faire du marketing international. Ça veut dire que je vais changer que la dimension. Et bien, la dimension, la vais changer. Au lieu de faire une dimension qui est nationale, je vais faire une dimension qui est internationale. Et bien, je vais changer le chéhouage ou le kin. En général, le marketing est le marketing fondamental au niveau national ou le marketing au niveau de l'international. Et donc, vous allez poser la question, est-ce que je vais changer l'IA ou est-ce que je vais changer l'IA? Et donc, une fois que vous avez pris une firme ou une entreprise ou une entreprise, كيف ما كنوع ديالو تابع الانتربريز بغاو يديروا مثلا لانترناسيوناليزاسيون، اذا بغاو يمشيو او نيفو انترناسيونال، وتسمى ان الانتربريز الي انترناسيونال ولا دار دي زوبيراسيون ا الانترناسيونال. كنطرحوا التساؤل الوغ كنطرحوا التساؤل ديالنا اشنو خاصنا او نيفو ديال هاد الانترناسيوناليزاسيون، اذا اشنو خاصنا دو باز. اذا اول حاجه ما تفكر اون انتربريز بعدا دير l'internationalisation le monde ou bien l'échange à l'étranger, il y a une production nationale. Et bien, au niveau de la nation, il y a une production ou un succès. Ça veut dire un succès, une innovation de produit, ou la production d'un produit, ou là, tu me chèles le produit bien, ou j'ai des demandes à l'étranger. Ça veut dire maintenant, je vais vous dire où le point qui est fait au niveau du marketing international, la base des routes ou le développement. Il y a un développement du secteur. Il y a un autre qui développer le secteur de l'Union, notre marché, le marché international. D'accord? Alors, je dois réussir l'objectif d'IL, je dois réussir le développement d'IL. C'est le diagnostic. D'accord? Parce qu'on entend là le diagnostic. Export la marchandise d'IELI ou là le produit d'IELI sera destiné à l'étranger. Maintenant, quand on a le diagnostic en général, il y a le processus qu'on dira pour le développement ou bien pour l'implantation ou le bachana, ce qu'on a dit les points de force ou bien les points de faiblesse, les recadrons maknouni enani gdol bagda ngoul ou je vais décider enani nmchi le marché à l'international. Et d'un maintenant, qu'on dit à ce qu'on appelle le diagnostic interne. C'est le diagnostic interne. Les filles qui analysent les points de force et les points de faiblesse de l'entreprise. Aujourd'hui, est-ce que je serai capable de faire le monde entier? Et maintenant, un diagnostic les points de force, les points de faiblesse. Le produit d'IELI au même au niveau financier ou un cadre d'ennemi supporter les charges à l'étranger le produit d'IELI.
Tchania, fiche qu'on dit le diagnostic interne, qu'on argère ou qu'on dit le diagnostic externe d'IALI. Le diagnostic externe d'IALI, comme le nom l'indique, il vient d'un bureau à l'extérieur. C'est le fait d'analyser les opportunités et les menaces qu'offre l'environnement du pays que l'on veut pénétrer. Et d'un, elle qu'on dit le produit d'IALI, vous êtes où il de le balle de Omchit, à notre pays et le monde. Et d'un, est-ce que nous allons dire un air? اشنا هما المخاطر اللي عندي صافي درك نولي ندير ان ليتود ريسك ديالي هذيك ليتود ريسك هي اللي غادي تمكنني انني تكون عندي واحد لا فيزيون جلوبال على لو مارشي ا انتغري او بيان ا بينيتري اللي غادي نخدم فيه او نيفو الوغ لا بروميير ايتاب لا بروميير ايتاب اللي غادي نديروها سي لو دياغنوستيك نعرف داك لو بيي اشنو فيه عاد تيجي الاناليز ماكرو ايكونوميك الميكرو ايكونوميك لي ريلاتيف جوستومون لو مارشي الوغ من هنا كنجبد لي بوين فور لي غيعطيوني لوبورتونيتي غنجبد لي بوين فور لي غيعطيوني لي مناص المخاطر لي غيقدروا يجيوني عاد لي بوين دو فورس اوبورتونيتي اي مناص او نيفو ديال لوتر بيي عاد لي بوين دو فابل اي مناص l'autre pays ou bien l'autre marché les radins investis d'accord et donc fais qu'on décide et dans le diagnostic réclamé ennemi décide fait la décision d'y aller où je n'ai pas fait le produit d'y aller à l'international ou là mais ben je ne peux dire qu'un j'ai ou qu'un redemain là les stratégies à adopter et donc puisque un amant qu'on a rachet avec le pays je nous fais d'accord qu'un est le produit d'y aller qu'un zit bien le pays et donc خاصني اون استراتيجي شنو هي لا استراتيجي سي سو سي انصامبل دو تكنيك اللي غادي يخليوني انني نكونفرونتي نامبورت كيل مارشي سا بدا نهز لو برودوي ديالي وندخلو نامبورت كيل مارشي اذا غتولي عندي نيسيسيرمون خاصني نعرف لو مارشي او بيان لا ستركتور ديال لو مارشي باش نعرفها كيعطيها ليا شكون كيعطيها ليا لو دياغنوستيك اكسترن اللي كندير كيعطيني اون فيزيون على لو مارشي اللي كندير اون فوا كتجيني هذيك لا فيزيون كنحدد لي استراتيجي اللي عندي الوغ لي استراتيجي سون ديتيرميني سولون لو مارشي و لو برودوي سا فو دير امبلونتيش مثلا في الجزائر ولا في تونس ولا في الاتحاد الاوروبي ولا في الصين ولا في امريكان خاصني نعرف ضروري لو مارشي و لو برودوي ديال هاد لو بلوتو هاد لو مارشي اون جينيرال لي غيتكون لا ديستيناسيون ديال لو برودوي ديالي الوغ من هنا كتجي لو برودوي اكطويل بلوس مارشي اكطويل هنا كنهضر على انا فين انا لو نوفو مارشي شنو فيه عاد عندي لينوفاسيون سافو دير كنمشي شنو هي لينوفاسيون هي كنجي بشي حاجه جديده داكور ادابتي سولون لو مارشي اللي كيكون عندي من هنا كندير واحد لو ريزومي ان في لو موند فاش داروا لي زيتود لقاو ان سوا كنمشيو افيك اون استراتيجي دو سبيسياليزاسيون داكور les avantages d'IA on a une maîtrise la production et l'approvisionnement ça veut dire qu'un spécialiste quand on a maintenant qu'un le téléphone qu'un spécialiste fait le téléphone qu'un a Kleenex qu'un spécialiste fait Kleenex ça veut dire qu'il y a une spécialité alors la distribution est devenir le leader ça veut dire que nous on a spécialisé juste un seul produit et donc on a une spécialité l'autre stratégie c'est la stratégie d'exportation. Ça veut dire les exportations, qu'elle voulait indiquer un nouveau part de marché, qu'elle rebâche des parts de marché d'IALI. Ça veut dire maintenant qu'elle fait avec une exportation, la vision à exporter. Elle dit la stratégie d'innovation. D'accord? La stratégie d'innovation, c'est une simple stratégie, mais il y a un jib jadid le sort. Ça veut dire, et haja indique, elle dit, mais elle dit le nouveau. La mode, quand tu vas parfois la mode, le quand tu es au niveau vestimentaire, andy l'ingénierie au niveau d'autres produits, andy des systèmes, andy vous avez vu l'essentiel que je peux andy quelque chose de nouveau. La stratégie de l'innovation consiste à créer ou bien inventer de nouveaux produits. Andy la stratégie de diversification. La stratégie de diversification est une stratégie que je vais vous focaliser sur un seul produit qui est de plusieurs produits ou bien plusieurs marques. Quand on a un produit, quand on a une marque.
عندي لا استراتيجي دو ديفيرونسياسيون. استراتيجي دو ديفيرونسياسيون هي اللي كتخلي لو برودوي ديالي اونيك في السوق. نقدر نكون عندي بزاف ديال لي برودوي ولكن من خلال لا مارك لونسين كنخلي لا ديفيرونس على لو برودوي ديالي. اون جينيرال الماركتينغ كيهز لينا هاد لونسومبل دي كيهز لي هاد لونسومبل ديال لي استراتيجي اللي منهم لا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون، لا استراتيجي دكسبورتاسيون، دينوفاسيون، دو ديفيرسيفيكاسيون اي دو ديفيرونسياسيون. من بعد ملي كنحدد انا لي استراتيجي ديالي خاصني ندوز ان بو لا براتيك ديالي شناهي هي ليتود دو مارشي اللي كتكون عندي. الوغ ليتود دو مارشي c'est essentiel pour chaque entreprise. Soit une entreprise déjà existante sur le marché, qui se présente rénover le produit lié à là, soit une entreprise est le lancement, la phase 2 du lancement. Alors, cette étude de marché, qui dit sous forme d'une enquête, sous forme d'un questionnaire, sous forme d'une étude, d'accord, sous forme d'une étude de l'héroïche. Maintenant, qui dit l'étude qualitative, lesquelles on va faire la qualité. منها كنعرف لونتروتيان انديفيدويل سا veut dire il peut être libre seule la question on laisse répondre et s'exprimer comme il veut سا veut dire انا كنخرج عند الناس وكنعرف اشنو بغاو وشنو ما بغاوش اشنو واش كيعجبهم داك لو برودوي ما كيعجبهمش واش عندهم لو بيزوان فيه ولا لا. الثانيه لا ريونيون دو جروب خطرات كنمشيو عند دي زاسوسياسيون كنمشيو عند دي زونتربريز كنمشيو عند دي جروبمون داكور Ad le brainstorming. Le brainstorming, c'est une méthode anglaise. Ad le brainstorming, il y a une annonce d'entreprise, une équipe de travail, où tout le monde qui a l'idée de l'autre. Et puis, je vais faire, quand je mets, je suis une idée, parce qu'en fait, je vais faire l'idée principale. Ad a dit le test de projection. D'accord, le test de projection, il permet de connaître le degré de connaissance du produit chez le consommateur. مثلا كنجي عندو كنقول ليه راه غنخرج واحد دانون جديد هو راه ديجا كيعرف دانون ولكن كنجي كنقول ليه راه غنخرج مثلا شي حاجه اللي هي انوفون شي حاجه جديده ما عمرك شفتيها الوغ طونك انه ما عمرو شافها الا هو ما عمرو كان عندو علم بها. باغ كونطخ كاين دو برودوي لي لو كونسوماتور كيعرفو مزيان بحال لي تيليفون بحال لو تياج انفورماتيك بحال التلفزيون بحال هادوك سوسون دي برودوي لي كيعرفهم le client bien ou bien le consommateur bien. Est-ce que j'ai l'étude quantitative, ou bien le résultat? Est-ce qu'on s'est fait le recensement, qu'on a fait le recensement, qu'on a fait les réponses, ou est-ce le degré de satisfaction, est-ce que le produit, d'une manière générale, la machine est précise, mais d'une manière générale, est-ce qu'il va satisfaire le consommateur ou non? Maintenant, quand je mets les résultats quantitatifs, je voulais non, des chiffres, d'accord? Ou bien une base de données. Aide le plan, aide qui gique le lancement, d'accord? Et bien, un petit. من بعد لا فاز دو لونسمون ديال اش ديال لو برودوي اللي كنشوف فيه لا بوليتيك برودوي داكوغ كنشوفو لو برودوي واش هو بغا فا ريزيستي لهداك لو مارشي او نو داكوغ. من هنا كنشوفو لو بيان او لو سيرفيس ديستينال لو كونسوماتور كيفاش غادي نعطيوه ليه. عاد عندي لو برودوي سونترال اي لو برودوي تانجيبل هادشي ديجا شفتو او نيفو ماركتينغ. عاد عندي ليدونتيفيون ديال لو برودوي باش غنميز هاد لو برودوي ديالي واش بلا مارك لومبالاج اي ليتيكتاج. عاد عندي لو سيكل دو في على انترناسيونال. اذا هنا جو كارد لو ميم بريسك سيكل دو في ديال لو برودوي او نيفو ناسيونال. شنو كيتزاد عليه؟ حنا غنشوفو عندنا ليتاب الاولى سي لينوفاسيون اي ليكسبورتاسيون par le pays innovateur qui fait un produit ou qu'un secteur, ça veut dire une innovation, une création, c'est-à-dire l'étape numéro 1. D'accord? Donc, on dit une innovation. Tiens, on dit deuxième étape, limitation. Chez limitation, ça veut dire un an, qu'un jeu qu'on atteint un caractère. Certains fabricants étrangers commencent à fabriquer le produit en limitant. Maintenant, limitation. Qui est un des produits original ou qui est le même produit, ça veut dire le même concept d'ILE, ou qui est un autre produit pareil, d'accord, ou qui est en limitation, qui est en limitation. Et un des troisième étape, la fabrication étrangère ou bien l'exportation. Non, qui est toujours quelque chose à
exporter. Donc, maîtrise la production quand ça nous est là, ou quand c'est top pour l'exportation. Dans la quatrième étape, le pays innovateur, il importe la technologie, il importe les concepts, il importe plusieurs cas. Dans le principe de gamme, déjà toujours, d'accord, le haut de gamme, l'entrée de gamme, le moyen de gamme, d'accord, chacun est toujours au niveau de la gamme. À de l'adaptation ainsi que la standardisation, est-ce que le produit il sera adapté vers le consommateur ou non? La standardisation, le produit il est standardisé, comme le nom indique, ça veut dire un produit qui est standard. Et le prix, voilà, la politique des prix, c'est une politique qui est très essentielle. Et dans le prix, oui, qui est encouragé parfois le client, du tout parfois, mais dans le maximum des cas, le prix reste adéquat avec le marché. Et donc maintenant, on va rentrer dans le détail des prix, et je vais déjà vous montrer. Et donc, on dit le prix produit, ça veut dire avec le prix produit, ou bien le prix de vendre le produit sur le marché, qui est un peu plus de facteurs. Maintenant, les facteurs d'achat, ça veut dire que vous avez acheté ou que vous avez ou bien le coût d'achat, bien le coût de revient de l'eau. Et il y a les charges en annexe, ça veut dire que vous avez les charges en annexe, maintenant le stockage, maintenant la main-d'œuvre, maintenant le transport, ou qu'il y a au niveau international, les charges de transport à l'international, les charges de douane, de douane et de douanement, le charge de stockage et de stockage directement qui dominent le prix à l'international. Alors, maintenant, on dit la stratégie de prix, les canaux, ça veut dire qu'on a un produit d'aller où je vais faire le haut de gamme, quand on a le prix d'aller, où je vais faire normal, où je vais faire l'entrée de gamme, d'accord, ou bien un prix de pénétration, ça veut dire qu'on déroule un prix promotionnel, les contrôle B dans le sort. Et on dit la méthode Tchenia fixation, qui est un produit qui est fixe, d'accord, on dit la fixation de prix avec la marge. Ouais, des incoterms, donc chez les derniers les d'avant, les incoterms bien sûr que tu accumules également le prix du produit, et on a cherché X work départ usine, mais chez où cherché fort, d'accord? Ça veut dire que j'ai mon presse les flux au niveau des chargements, transport, dédouanement, mais chez là cherché même la source, d'accord? Et donc nous avons les facteurs qui accumulent au niveau de la politique de prix d'iel. Et que j'ai maintenant la stratégie de distribution, ça veut dire que je vais déterminer le prix, que j'ai la distribution d'elle. Soit que je dirai par vente directe, ou là, que je dirai un représentant par un salarié, ça veut dire que je vais déterminer qui va être le produit, ou là, agent commissionnaire, ça veut dire que l'agent commissionnaire qui gère cela ou qui est fait à la commission d'elle, ou là, une succursale, ça veut dire que tu veux le produit d'hier, ou là, une filiale. Et la distribution, là, c'est un point essentiel. Parce qu'on a d'abord les moyens de distribution d'hier. Est-ce qu'on joue généralement l'univers de la distribution, les où on annexe le marketing, d'accord? Et donc, les types ou bien les orientations de la distribution, moi, je vais dire. من الطريقة ديال البيع ديال البرودوي ديالي في السوق داكوغ عاد عندك لو فونت اون كوبيراسيون اللي منهم ان غروبمون ديكسبورتاتور بحال ماروك اكسبور سافو دير كيكونوا اديزيل في ماروك اكسبور كيكونوا عندي لاديزيون ديال بليزيوغ داكوغ بليزيوغ plateforme d'exportation, ça veut dire qu'ils jouent net les produits de l'exportation, qui à la fin nous recherchons les produits d'hier. Et donc, on dit que c'est aussi d'un groupe. On dit le portage ou bien piggyback. C'est un contrat par lequel une entreprise porteuse soutient une petite ou moyenne entreprise. D'accord? Et donc, le piggyback ou un contrat chargé de vente, de distribution. Il y a une entreprise qui s'aide une autre entreprise, soit la SLA, soit etc. D'accord ? Qui est un pour la commercialisation des produits d'elle. Et on dit la franchise, c'est un contrat
au contrat, les en général qui mobile l'agglomération d'abord sur le marché avec des contrats franchise, la franchise et un contrat de commercialisation des produits entre un franchiseur, ça veut dire des clés qui vient, et un franchisé, et des clés qui dit la distribution d'iel le produit d'iel. Adam des clés filiales communes, ça veut dire bien l'entreprise, c'est un style de vente qui a voir. Adam des clés la licence, c'est de type agrément. Quand ça m'appelle qu'un SB le produit d'iel est les magasins d'iolec ou les supermarchés. Après, j'ai la vente par intermédiation. D'accord, c'est la vente par intermédiaire, société de commerce international. Jauma qui cadre les produits à l'international. Société de gestion export, les bureaux d'achat. Les bureaux d'achat ont donc les bureaux spécialisés dans la base de données clientèle. L'intérêt que je veux chercher à l'international, moi je cherche. Jauma les qu'est-ce qu'il faut faire. L'importateur aussi, que tu connais une base de données de l'importateur, ainsi que le concessionnaire. Le concessionnaire, où il a de l'exclusivité d'IEL chez produit bio, d'accord, avec la marque d'IEL. D'accord. Et là, le cours en général, quand tu m'as le maximum des informations, qui m'a dit que le cours face aux détails des détails, face aux une confrontation directe, pour une bonne compréhension. Mais on a donné le maximum justement pour que nous au niveau à distance. Quand tu m'as connu de la vidéo de Jacob, là je peux vous partager avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. Et merci.